Donc il y a un corps. Voilà, un bastillon plus petit encore et la même notamment du ministère de l'Environnement. Mais là, il est autonome pour tout ce qui concerne la gestion. Et on peut rester ici combien de temps à couler le secret? Une cérémonie pour la formation du nid. Il faut qu'il se débrouille bien à choisir. M'asseoir parce que c'est plein de trucs, petites bêtes. Thank you.
On a parlé un petit peu, les mouettes nocturnes, les mouettes à queue ronde. Les... Ouais. Ils passent vite. Peut-être c'est l'histoire des fous masqués. C'est-à-dire, lui, il va rentrer ici à l'âge de 5 ou 6 ans, pas avant. Donc il va rester au large. Où ça? Ah voilà, ici, quelques adultes. Thank you.
fish as well. J'aurais pas dû manger les cacahuètes. Ah, mais mon mari n'était pas bien non plus. C'est la maman qui est là. Qui entre dans l'estomac, ça va rester des jours. Donc les tortues adultes habitent par là. Nous allons traverser. Et tout de suite, nous verrons ce qui... We'll see it. Those are the two poor females that have been here there are many years in Georgia tortoise. Smashed. The only one left from its subspecies. Thank you.
Il est fort, hein, ce mâle, oh là, ça m'étonne. Impressionnant. Voilà la longue queue, le bébé. Les autres. Tu vas le suivre. Voilà. Quelle intention tu en as. Laissez-le passer, s'il vous plaît. Pardon, le poids, ici il y a les 150, 100, presque 200 aussi, 200 kilos le plus gros, comme cela. Le carbone 14 s'utilise pour tout ce qui est organique. Ouais. Même tortue. Mais une fois que l'animal est mort. Ah oui. Et la plante. Looking this way, or this way, and you're like, yeah, it's a car.
Galapagos. Ville de l'aéroport, on va peut-être arriver. Ville de Seymour, la première que nous avons trouvée. Hein. Est-ce que c'est le meilleur des moments pour bien les voir, hein, et les comparer avec les iguanes de mer. On avait parlé des